que chacun prenne conscience que le Mali, c'est le seul patrimoine, le seul héritage durable que chacun de nous a. Et celui qui le gâte n'est pas notre ami. Celui qui le renforce est notre ami. Parce que de son bonheur va sortir le bonheur de tout le monde dans le présent et dans le futur. Donc ce qui a été dit et qui vous a été rapporté par les confessions religieuses et la société civile, c'est une vérité que chacun doit méditer et prendre au sérieux. Prendre au sérieux, les Bamana disent que quand tu es dans la même pirogue que quelqu'un, vous faites la même prière. Que Dieu nous accorde un bon voyage. Amen. Donc que chacun de nos cœurs soit prêt dans la prière sincère et pieuse pour le Mali aujourd'hui. Ça ne va pas. On le sait. Mais nos langues aussi disent que même si tu aimes la viande, tu ne manges pas ta langue. Il y a certaines vérités qu'il faudra voir en face. Un religieux a dit ceci, et il a bien pensé. Il dit que quand tu accuses l'autre, tu lui pointes ton doigt, tu oublies trois choses. Que ce doigt-là qui a pointé celui que tu crois ennemi et malfaiteur, tu oublies qu'il y a trois doigts qui sont en train de regarder de ton propre côté. Ta faute toi-même, ta responsabilité toi-même. Mais en plus de ces trois doigts qui te regardent, tu as oublié ce qui est le plus important, ce que Dieu est en haut. Il est témoin de tout ça. Et on peut tromper les gens, mais on ne peut pas tromper Dieu. Et la vérité, quand on dit les confessions religieuses, le religieux ne doit pas être au devant de la politique. Mais le religieux, c'est lui que Dieu a désigné pour conduire tous les humains vers le paradis. Alors que ces humains-là sont en train d'aller en enfer, il est obligé de se réveiller, il est obligé de venir leur dire « Ah, voilà la bonne direction ». Et cette bonne direction-là, les livres de la Bible dit que le salut se trouve dans un grand nombre de conseillers. Vous voyez qu'aujourd'hui, les trois confessions religieuses du Mali se sont retrouvées avec tous leurs conseillers, tous leurs experts, pour essayer de donner les meilleurs conseils qu'on connaît, tant à ceux qui sont les autorités, que à ceux qui sont les acteurs menaçant tout ce qui est constitutionnel, tout ce qui est la paix qui nous permet de vivre en paix. La paix est bonne, hein? Une nuit de paix, c'est bon, hein? Si tu peux savoir quand est-ce qu'il va mettre le feu quelque part, mais quand est-ce que le feu là va se terminer? Ça, c'est Dieu qui le sait. Et donc, tant que tu as le bonheur, garde-le, ce bonheur-là. Frère Félix Soufette Boigny a dit que le bonheur ne s'apprécie que lorsqu'on le perd. Tâchons de ne pas le perdre. Et c'est ce qui fait que généralement, les religieux n'aiment pas les changements. Ils n'aiment pas les changements. Parce qu'ils ont peur que de ces changements-là, il y aura un feu, et ce feu-là, personne ne maîtrise jusqu'où ça va aller. Les religieux n'aiment pas les conflits à cause de cela. Parce que tu peux savoir quand est-ce qu'il commence le conflit, mais quand est-ce qu'il termine, toi, tu ne connais pas. Donc, c'est pourquoi on est... Mais le conservateur religieux n'est pas fataliste qui se laisse faire à toute chose. C'est quelqu'un aussi qui raisonne. Les grands hommes de Dieu ont été des hommes qui connaissent Dieu, qui craignent Dieu, qui raisonnent
et qui amène le peuple vers la paix et le bonheur. Et c'est sur eux que l'on compte pour nous amener au paradis. Mes amis, il y a certaines choses qui sont fondamentales pour les religieux. Son livre de base. Chez nous, les chrétiens, c'est notre Bible. On peut vous aimer, on peut vous supporter, mais on ne peut pas changer un iota de ce qui est dans ce livre-là. C'est à nous de le lire et l'adapter à une situation d'espoir d'avancer vers le bonheur. C'est tout ce qu'on peut faire. Il a une constitution, c'est son livre de base. Cette constitution-là, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et ça ne se change pas aussi du jour au lendemain. Donc, tout raisonner et parler ensemble. L'amour du prochain. Jésus a dit que ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc, le respect, l'amour, le pardon, et bien d'autres vertus, si vous les aimez, il faut les faire aussi pour les autres. J'aimerais conclure en vous disant ceci, que nous allons exhorter tous les fidèles à la prière. La Bible dit même prier sans cesse, la prière, parce qu'avec la prière, le croyant, le fidèle peut tout changer. On a des situations qui nous dépassent. On va prier sans cesse, redoubler, renforcer nos mouvements de prière afin que la situation actuelle, les religieuses vous ont rapporté, que cela puisse devenir la vérité très bientôt au Mali. Et que le Mali soit le pays où il fait le plus bon vivre dans le monde. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup.